À Saint-Élie-de-Caxton, le temps funambule finissait d'user son fil. Tranquillement. Ah oui, la première journée de tournage, c'était très intriguant parce que c'était différent de la première fois où on avait presque tourné tout en studio, alors que là, on était plus en location. Alors, c'était comme une aventure complètement différente. Alors, on était très excités de voir de quoi ça aurait l'air, le village et tout. Puis de retrouver les gens aussi, puis avec les nouveaux acteurs aussi, les nouveaux personnages, dont le personnage d'Izimé Zak, qui était un acteur que je ne connaissais pas à l'époque, mais qui est vraiment formidable dans le film aussi. Oui, c'était super, en fait, de me faire offrir de jouer à nouveau ce rôle. C'est comme une continuité hein, de Madame Gélinas. Et puis, j'étais fière aussi, j'étais contente parce que j'aime beaucoup participer à cette épopée de Fred aussi. Et aussi parce que je connais bien le village, mon père vivait ici. Et donc, je suis venue souvent ici, je connais Fred depuis longtemps. Mon père était très, très fier de me voir jouer dans ce film-là. Et puis, toujours très content de voir. Alors, moi, c'est une fierté aussi parce que je connais bien ce village et je trouve ça tellement formidable, toute cette mythologie qui s'est développée grâce à Fred et son imagination fertile et toutes les rencontres qu'il a fait aussi. Qu'est-ce qu'on mange, maman? On mange la misère, mon garçon. La même affaire qu'hier. Je pense que je suis meilleure cuisinière que Mme Gélinas, mais par contre, disons qu'elle avait à mon avantage, c'est que je vis dans des conditions un peu meilleures que celles dans lesquelles elle vivait. Alors sûrement que si on lui avait donné les moyens, elle aurait fait la cuisine quelque chose de pas mal mieux que ça, parce qu'elle fait quand même son gros possible pour élever tous ses enfants. Des miracles. Des miracles, vraiment.